Ouais, donc je vous avais laissé à Tolbi. Donc je vous montre un petit aperçu des jeux, je vais pas trop en faire. Enfin, je vais tous vous les montrer, il y en a que 3 en fait. J'ai confondu avec le 2 où il y en avait plein. Donc là vous allez voir, hein. Et c'est pas trop une fontaine en fait. Donc on peut soit lancer des pièces, soit des porte-bonheur. Et là voilà, il y a les trucs qui gênent. Voilà, après on peut le faire avec des porte-bonheur. Et là, petite astuce, parce que quand on touche un animal, crabe ou tortue, il va plus vite, donc hop, faut quitter, revenir, et du coup ils vont toujours lentement. Alors le but c'est que ça touche aucun animal pour que ça aille au centre et que ça fasse le meilleur truc possible, quoi. Pas comme ça, quoi. Voilà, c'est de la merde. Bon, je vais vous montrer un porte-bonheur. J'espère que je vais pas me louper. Ok. Oh merde. Ouais, et du coup avec un porte-bonheur on obtient un truc de la part du dragon. Bon là c'est de la merde parce que c'est même pas dans le truc. Et j'ai très très peu de porte-bonheur. J'en ai beaucoup plus d'habitude. J'aime vraiment la poisse, moi. Ouais, bon, j'aimerais bien que ça tombe au centre, mais bon. Donc ouais, quand j'aurai plus de porte-bonheur, je reviendrai là hors vidéo. Parce qu'il y a des bons trucs hein, quand même. Le bouclier Gaïa par exemple, qu'il me faut absolument pour Vlad. Yes. Ouh yes. Voilà. Donc là c'est le meilleur prix. Il y en a plusieurs. Hein. Voilà, armure esprit. Donc il vaut mieux faire le jeu avant d'aller acheter des armes et des armures. Voilà. Bon, avec un peu de patience, hein. Faut s'entraîner avec les pièces et puis après, voilà. Voilà. Bon, voilà, hein. Je vous ai montré un petit aperçu. Deuxième jeu. Un jeu de dés. Bon, c'est un peu de chance en fait, hein. Voilà, et ça tombe sur les trucs. Une paire, voilà. Donc c'est vrai, c'est vraiment de la chance, hein. Je vous montre un petit peu comme ça, mais bon. On peut faire que ça, appuyer, et puis voilà. Voilà, on gagne que de l'argent. Il donne les résultats après. Ah, donc c'est de la chance, hein, comme je vous l'ai dit. Et le dernier jeu, qui est à l'étage de l'auberge. Il y a un jean, hein, je vais vous montrer plus tard. Voilà, alors, vous allez voir. Ça, c'est avec les tickets de jeu que nous donnent les marchands quand on leur achète des trucs. Donc on peut le faire à volonté. Donc là on peut parier un ticket, 2, 3 ou 4. Et après voilà, ça, en fonction de ça, ça change. Donc, moi je vais tenter 2 tickets. Voilà, après là ça fait au pif. Hein. Ensuite on garde ce qu'on veut, par exemple, hop, anneau. Le reste on s'en fout. Ça bouge que le reste du coup. Après vous avez compris. Bon, moi avec ma chance, c'est pas tout de suite que j'aurai un bon truc. Hein. Ouais, il y a 4 étapes. Donc la lune, faut le laisser parce que c'est un truc. Ça remplace n'importe quoi, lune en fait. Voilà, bon. Je vais essayer une fois parce que ça m'énerve de perdre. Même si je vais quand même perdre. Ah, R stoppé, ouais, j'ai pas remarqué ça en fait. Ah bah, je suis con. Alors, en bot. Je prends des bottes. Le destin, vraiment, ok. Destin, c'est un connard. Alors, ouais.
Donc voilà, bon, vous avez compris, j'ai pas de chance, hein. Je vais tenter un dernier truc, voilà. Moi, ce qu'il me faut, c'est des bottes. Parce qu'on peut avoir les bottes de hâte qui sont vraiment géniales. Bon, c'est une question de chance, mais bon. Non, bon, c'est pas la peine. Moi, j'ai la poisse, de toute façon. J'ai autant de chance que de mémoire et de sens de l'orientation, donc... Ah tiens, j'avais oublié que j'étais massacré à ce point. Donc voilà. Alors pour capturer ce petit djinn. Ouais. En fait, il faut geler ça, vous avez compris. Mais il faut atteindre l'endroit où est la flaque. C'est là. Vous voyez, en dehors de la ville. Donc ce qu'il faut faire, c'est sortir de la ville. Enfin, sortir. Sortir de là en fait. Mais pas sortir de la ville. On longe là, comme ça, pour pas sortir. Et hop, on utilise bourgeon. On obtient avec un mélange de terre et de feu, si vous vous rappelez pas. Voilà, frima. On longe. Après, bon, vous avez compris, hein. Il suffit de sauter, c'est bon. Et voilà. Et il combat pas. Et du coup, on peut enfin redonner ça à Vlad. Donc voilà, et là il gagne garde et garde majeur et handicap. Il y en a un, ça baisse la défense, l'autre ça augmente, voilà. Et voilà, ils ont refait les bonnes classes. Voilà. Donc ouais, les chambres sont réservées, génial. Là que je suis dans la merde, c'est génial. Voilà, je suis un peu mal, hein. Enfin bon, tant pis. Donc voilà, ça c'est des boutiques qu'on peut rien acheter. Hein. Voilà, donc je vais montrer les trois jeux. Hein. Dans le 2, il y en a plus. J'arrête pas de parler du 2, vous devez être assoiffé là. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Alors voilà. Là, un cercle, donc un coffre. Voilà. Ensuite, je vais équiper. Je vais aller vendre des trucs là. Je commence par vendre. Donc tous les trucs genre élixir, on s'en fout. Parce qu'on a les sorts. Ça, on s'en fout pas. Ça, c'est pour inondation. Hein. Je vous l'ai encore jamais montré. Voilà. Ainsi. Là, je vais d'abord m'équiper. J'ai gagné quoi d'autre? Armure esprit, ouais. Coûte de mal, bon. Non. Il y a quoi d'autre? Bon, je crois que c'est tout. On va quand même utiliser les objets. Alors, Mante, ça booste l'agilité donc sur Garrett. Parce qu'il en a pas assez, lui, hein, de toute façon. Poivre, la chance. Chance 5. Bon, la chance, c'est pas terrible, on s'en fout un peu. Voilà, ensuite. Ouais, c'est tout.
Ouais, voilà. Donc, voilà. Là, on peut commencer à acheter maintenant. Donc là, vous voyez que c'est pas assez puissant pour augmenter. C'est comme l'âme tueuse, mais en moins bien. Parce qu'il n'y a pas de. C'est pas une relique. Donc lui, on va lui donner ça. Bon, c'est vrai que c'est cher. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de relique bien plutôt. J'oublie que j'ai oublié de vendre ça. Ah mais il y a... Ah mais j'oublie tout. Y a un casque. Ouais. Donc je vais plutôt acheter des armures parce que les armes, on s'en fout un peu. Ouais. Ouais ça aussi on s'en fout, les somnifères. Hein. On les utilise pas. Voilà. Donc les armes. Cuirasse. Gilet en argent, c'est mes crocs de soie. Voilà. Et voilà. Merde. Je regardais là, moi. Ok. Ça, c'est une marchande d'objets. Hein. Voilà. Donc plus rien d'intéressant dans la ville, à part on peut jouer les tickets comme un malade. Hein. Attends, je vais jouer un petit peu les tickets. Ouais, l'auberge, on peut pas dormir. Donc ouais, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Qu'est-ce que c'est ? J'utilise tout. Hein. Donc là, une lune, je la garde. Ce que je pourrais garder là. Allez hop. Je fais vraiment n'importe quoi. Hein. Bon, voilà. Je joue vraiment comme une merde. Hein. Je continue. Donc là, je vais faire ça. Voilà, il faudrait que j'ai une botte ou une lune. Non, oh, j'ai trop la poche, j'arrête. Ah, mais casse-toi. Ah, voilà. Donc voilà, ça a quasiment pris toute la vidéo. Hein. Enfin, il y avait pas mal de trucs à faire dans cette ville, c'est pour ça. Ok. Ça c'est le seul RPG où vous verrez qu'on peut pas rentrer dans les maisons sans se faire engueuler. Voilà. Donc là on pourra aller là-haut. Voilà, donc vous avez compris. En fait c'est le maire de la ville, hein. Enfin le maire de... Voilà. Il s'appelle Babi. Il joue au foot. C'était pas drôle. Ok. Donc voilà. Donc en fait faut le retrouver maintenant. On pourrait faire plein de dialogues en haut, mais je vais essayer d'aller le retrouver. Voilà. Donc, je vais arrêter un peu de parler. Et je vais... Voilà, est-ce que je me trompe pas? Ouais. Je me rappelle bien, il y a un jean, pas loin. Peut-être en bas, ouais. Non, c'est
cette part d'une... Voilà, je suis assez mal parce que bon, je peux pas me régénérer, il y a pas d'auberge. Donc je peux pas faire grand-chose. Hein. Donc voilà, la vidéo, il se passait pas grand-chose, je voulais juste parler un peu de Tolbi. Enfin, un peu, c'est un petit mot. Hein. Alors. Bon, allez, on va s'en occuper parce qu'elle me saoule. Ah, on l'a jamais vu ça, tiens. Ah, c'est là. Je dis, quand il y a une île isolée et il n'y a rien dessus, c'est qu'il y a un djinn. Hein. Donc voilà, un djinn là-dessus, normalement. Vous voyez, là, il n'y a rien. Voilà. Alors, Ragnarok, langue de feu, choc. Ah, le con, je déteste ça. Là je vais faire la tactique d'avant parce qu'il me saoule. On sert à rien de mettre plus de 4 jeans, enfin de ne pas lier plus de 4 jeans parce que la vocation ça va pas plus que niveau 4. Hein. Ah, quel salopard. Ah, ouais. Bon, là on va se venger. On va lui exposer sa face. Donc Thor, vous connaissez, je le passe. Je peux pas le passer plus que ça. Hein. Apocalypse, vous connaissez pas, je crois. C'est assez impressionnant. Carrément, ça détruit la moitié de la planète. Hein. Après tout, pourquoi pas. Voilà. Et voilà. Donc c'est ici que va se terminer cette vidéo. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui sera beaucoup plus intéressante. Salut !